Ben c'est du vent qui tourne ce midi sur la Cano. Rebonjour à toutes et à tous. On a un temps ensoleillé dégagé. Il y a quelques petits nuages qui arrivent par le nord-ouest. Une température extérieure qui est à 16 degrés. Une température de l'eau à 13-14 degrés. Une marée qui est en train de monter. Le plein eau est à 15h10. Les coefficients 39. Le vent a tourné. Il est passé de nord-nord-ouest à un peu nord-ouest. Un beau fort. Petite rafale à deux. Le plan d'eau devient un peu fripé. Les faces de vagues restent lisses. Et on a cette houle qui est longue avec 11 à 12 secondes de période, une houle orientée ouest-nord-ouest qui est multipique et en atténuation. Déferlement régulier à 1 mètre, 1,20 m, sur les séries à 1 mètre 30. Voilà, il n'y a plus le 1 m 50. Il peut encore traîner de temps à autre un petit 1 m 50 de ci, de là, mais c'est quand même plus rare. Des vagues en pic, la marée monte, ça fait des vagues un peu molles mais qui arrivent à ouvrir en droite, en gauche. Les phases de vagues sont relativement lisses, il y a des bouts à attraper, la barre est facile à franchir, les vagues ne sont pas particulièrement méchantes, il y a du monde à l'eau. Il y a de quoi glisser, il faut en profiter. Évolution pour le reste de la journée, la boire cachant est à la baisse à 2 m 28 secondes. Un train de houle en lente atténuation, mais le vent de nord devrait se renforcer. On attend à 13h 1 m 30 sur les plus grosses séries, houle ouest-nord-ouest, 11 à 12 secondes de période avec un vent nord-nord-ouest à 1 de Beaufort et à 17h 1 m 20 sur les plus grosses séries, houle ouest-nord-ouest, 12 secondes de période avec le vent de nord-nord-ouest qui se renforce à 2-3 Beaufort. Ça va se dégrader cet après-midi. Ça sera moins favorable. Essayez de surfer sur la fin du montant avant que le vent ne se lève trop. Je vous tiens informé sur le 08 92 29 78 73 à 14h et à 16h. Bonne journée, merci.